Et bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Hop là, début de l'écran 5, changement de scène. Hop, voilà. Hop, pour la partie numéro 6. Et... Alors, continuez. Mission, mission. Hop, mission 6, partie 6. Donc on va reprendre là où on en était. Donc géant d'acier, donc ça se passe juste un peu avant l'épée démoniaque de Sparda. Donc on va reprendre la trame. Hop, personnalisation, 4000, non, on en a passé. Les petits trucs, alors maintenant B, jusqu'à ce que le début breaker se mette à briller toute son énergie, révéler les pouvoirs ascensiantes. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body, though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. Ouais, non, on va tuer des démons pendant que la Black a reluque l'autre. It's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Faut garder l'œil. Garder l'œil ouvert. Et du coup, on va croiser V, je pense. Ouf. Allez, hop. Esquive. Glissade. On y va. Gilgamesh, c'est l'évolution de Salamèche. Et donc du coup on prend Nero. On sait toujours l'utiliser. Avec des nouveaux débuts de breaker, donc au niveau de son bras. Vers ça. Alors, Earthskiller, et ainsi de suite. Oh punaise. Voilà, lâche-moi. Aïe. Hop, aïe. Allez hop, allez cherche mon épée. Reviens. Voilà. Voilà. Allez, il s'est cassé la gueule, il m'éclate la tronche. Voilà, il me tombe dessus. Ah bravo. Attention, on se barre. C'est un connerie ça. Hop, allez, on va lui péter les 4 pieds. On pourra plus bouger. Ah. Et maintenant la marionnette de pacotille. Ok, donc ça c'est un peu comme le gant qu'il avait à l'époque. Ah, il reste un. Voilà. Classement C. Et là logiquement il va tomber. Oula. Et reviens. Reviens. Reviens dire bonjour. Coup d'épée. Hop. Il essaie de m'éclater la gueule. Un coup de pique. Non, ça marche pas. Aïe. On va taunter un peu. Ouais, ça fait mal ça. Oh les pipiques dans la gueule. Ça fait pas du bien. Rien. D'accord, en fait il y a une partie supérieure aussi. Où je me cours peut-être. Ah non, non c'est pas une partie supérieure, c'est toujours ses pattes. Ah non, il y a un recto verso, d'accord. Ah. Non, ça n'est pas celui-là. Hop, allez, on voit des missiles. Voilà. C'est bon. Hop. Attention. Attention, on se casse la gueule. C'est pas grave. Bon, tu vas te casser la figure, bordel de dieu. Alors, le but du jeu, c'est de choper ça, de monter au-dessus et de choper ça. Voilà. Et là, du coup, c'est bon. Ah. Allez, allez. Il revient normal. Donc du coup. Non, les pattes c'est bon. Hein. Ah moi qu'il faut continuer de lui péter ses pattes. Ses patounes. Les petites patounes. Allez, il en reste un. Alors. Alors. Ça s'agrippe. Hop.
Ok, faut prendre aussi effet sur ces espèces de tentacules. Si je te rattrape, je t'en... cul. Allez. Alors, ah bah c'est bon, il est tombé. Punaise, la barre de vie de ce truc, c'est juste horrible. Là, tu fais 3 fois 1, tu pètes 2 mm par 2 mm. Oh, et en plus il m'a schnat. Non. Mauvaise idée. C'est par ici. Ah, il y a un nouveau gant. Hop là. Passe par ici. Hop. Voilà. Allez, hop. Allez, il va faire son truc. Ah, il est tombé. C'est bon. Ah bah tiens, il y avait. What are you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. Et nous avons le piu piu. I must press on. Eh bien, poursuis ta route. Well, guess it's just you and me, cockroach. À nous deux le cafard. Voilà, et là c'est parti. Pète la gueule. Ouais, ça fait comme dans Devil May Cry 4. C'est tout à fait ça. Hop là, attention. Les boss de l'enfer. Allez, récupérer ses pattes. Voilà. Allez, deuxième. Hop. On s'extirpe. Allez, on dégage là. Non, c'est pas le bon. Ah, c'est bon. C'est quoi ça? Waouh. D'accord, c'est une trancheuse. Dégage avec ta trancheuse. Voilà. Oh punaise, c'est Star Trek son truc. Ah mince. Ouais, pas. Ah ok, bon moi j'ai esquivé. J'ai fait une action qui était pas prévue. Ouais. Bon, ça n'a strictement rien fait, le fait de péter mon bras juste sur sa tronche. Hop, voilà. Hop. Hop. Esquive. Alors, t'as la grippe, bordieu. Ça tient par la porte des chiottes, ouais. Ouais. Waouh. Des coups de pique dans la gueule. Voilà. C'est bon, elle va remonter. Non, ça sert à rien de faire ça. Hein. À quel moment faut lui péter son truc, bordel? Une espèce de cerveau, de je ne sais quoi, la taille d'une cacahuète. Balèze la cacahuète, hein. Ah! Allez! Reviens! Voilà! On l'a eu! Dernier coup d'épée qui va bien. Et il tombe! Ah oui, effectivement, c'était une racine. Elle était coriace quand même, Cobos. Hein.
En fait, ils leur ont donné 3 millions de points de vie, les boss, maintenant. Ah, c'est bon, les réveiller, la belle au bain dormant. Tiens, il y a un truc par terre, une boîte de conserve. Ça, oui. Tu chauffes, tu brûles. Ah, du coup, c'était une mission simple sur un boss. Classement S. Malgré qu'on ait fait que de la merde. Front commun. Donc on a défoncé le colosse. Et on va passer à la suite. Et donc là on reprend la trame scénaristique. Quinchouin, 8h57. I don't know what happened to Dante. Damn it. God damn it! You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. Aha! Ils ont tous récupéré un morceau de bestiole, là? I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Aha! Wow, I can make something truly awesome out of this. Je peux fabriquer quelque chose d'enfer avec ça. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful. Ah, il peut être utile, hein, comme un outil quand j'ai tapé l'étage. Get some rest. You need it. Aha. Donc du coup, on va aller dans les égouts pour récupérer, pour rejoindre la racine de l'arbre du Cliffhots. Quoi ça ? C'est fou, elle. Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, je veux dire, non, il faut bosser. Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up, get up, get up! Something to wear that's good for digging. Ah bah bravo. Donc on peut prendre V ou Nero. On va commencer par. Allez, on va commencer par V. Et après on refera la mission à tous les coups avec Nero. Pour voir à peu près c'est les missions du haut. Alors, avec V. Personnalisation. On va prendre notre petit V et on va finir par Nero, je pense. Alors, je crois qu'on a... Ah si, Green Gainer et White Gainer. Allez, on va prendre des White Gainer, ça nous donnera des pierres blanches. Du moins plus de pierres blanches qui apparaît quand on invoque Nightmare. Voilà. Lorsqu'ils griffent un Shadow, les démons de V subissent trop de dégâts, ils peuvent se mettre en mode stase. Bah, faut garder constamment un œil sur leur vie. Eh bah punaise. Allez, let's go, c'est parti. C'est parti. Hop. Allez, il est juste à côté. Allez, bon, au moins ça, ça attaque à distance. Hop, des pierres rouges, des démonites rouges. Nice. Oh putain. Mais c'est des frosts. Des Riot maintenant, griffes du désastre. D'accord, ouais, c'est un peu comme des frosts de Devil May Cry 4. Eh bah gros lézard pas beau. Pas une... Y'a pas une belle gueule, hein. Et hop. On surf. Surfing with the alien comme d'habitude. Hop. Oh. Esquive. Et hop. C'est bon, il est chargé. Hop, I'm coming. Et hop. Charcutage. Hop, on les défonce. Hop. Raté. Hop. Allez, prends ça dans la gueule, prends mon tigre, mon chat, mon je ne sais quoi.
Ah, tu vas crever, Marie. Ouais. Hop, tiens, chop. Hop. Allez, hop. Y'en a un autre. Qui veut se battre? Et hop là, Smoking Sexy Style. En triple S. Triple furieux. Ah bah lui il est toujours en mode je les déboîte. On va prendre de l'avance. Ah, ici y'a quoi? Des démonites blanches. Hop là. On récupère. Oh c'est pas cool ça. Ça sent aussi. Ça sent le roussi avec ses racines. On s'enracine dans tout ce merdier hein. Bah alors, pourquoi t'attaques pas salaud? Bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un machin qui crée des démons. D'accord, eh ben on va lui foutre directement Nightmare sur la gueule. Hein? Boum. Hop là! Pleine tasse de gueule! Hop! Au suivant! Hop là! Voilà! Hey! Hop! Hop! Et là! Et de deux! En triple S de nouveau! Ah ça rigole pas! La sortie! On va pouvoir se barrer! Yeah! Allez là mon surf! Qu'est-ce que c'est? Oh ça c'est pas cool! C'est pas bon ça ce truc! Pété! Voilà, on a démoli la racine. La voie de train. Le métro, il va être ouvert. Ok, donc c'est par ici qu'il faut aller, du coup. Allons-y gaiement. Alors, d'autres trucs. Ah, bah du coup, un autre fabricateur de monstres. Métro. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à les charger. Hein. Ça, on s'est fait. Et c'est parti. Voilà, ça direct on lui démolit la gueule. Il a pas le temps de faire quoi que ce soit. La merde, viens m'aider. Il m'a pas touché. Ah, il m'a pas touché, il m'a loupé. Oh la vache. Allez, allez les copains. C'est pas mort toi. Hop. Hop, quelle esquive. Cette rotative. Ah, faut aussi péter peut-être ce truc là, hein, moi je dis. Parce que tant qu'on l'a pas pété, il fabrique des démons. Hop. Voilà. Et un deuxième. Hop là. En triple S. De nouveau. Ah, c'est qu'on les enchaîne les triple S avec lui. Beaucoup plus simple à sortir hein, les combos. La démonite rouge. Et quoi d'autre là-bas? Pareil, la démonite aussi. Alors, par où faut aller? Non, c'est pas par là. Ah, pas ici. Il y a un creux. Ah, il a l'air d'avoir une racine.
Alors éclatons cette racine et voilà! Devant le passage. Et on a ouvert un autre passage. Allons-y. This way. Hop là. C'est bon, c'est par ici qu'il faut aller. Wow. Slice them. On prend des démons. Bon, ça, ça va être simple. Ah, attendez, le. Ah, ça, à tous les coups, c'est une fougeuse ça. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Allez, bute-le, bute-le, bute-le. Ah, il m'a touché, le bâtard. Bah, tu vas mourir. Oh. Hop. Allez, double S. Allez. Raté. Merde. Ah. Voilà. Et il me repète la gueule. Voilà, nickel. Les petites racines, ça, ça va être rapide. Alors, on va utiliser Nightmare parce que là, il y en a deux gros là. Boah ! Oh, le shoot qu'ils se sont pris, ils leur ont tombé en plein dans la gueule. Économiser pour après. Voilà. Un petit combo très vite fait. Continue de spammer et ça va tout seul. Ah, du coup, des monnaies rouges. Toujours pas ouvert cette merde. Ah si, là-bas c'est ouvert. Ouais, ça a eu l'air d'être ouvert. Ou pas, c'est moi qui dis de la merde en fait. Non, c'est pas par ici, c'est pas par là. Ah, attendez, de l'autre côté il y avait un escalier. Voilà, peut-être par là. Voilà, c'est par ici. Ouah. Allez, bon. Oh la vache. Voilà. Il est où le deuxième là? C'est un deuxième là. Merde. Il faut le choper. Oh putain, il y a une fourchette. Oh punaise, elle va charger là. Oui, la bouche, ça se fait des boîtes! Ah, c'est champignon de merde. Hop, on ici, hop là. Par là. Putain, la caméra elle fait galérer. Hein. Voilà. Tu tires pas dessus? Oh putain, toi, t'as me toucher. Je viens de mourir! Ça fera des petits trucs. Ouais, Nightmare! C'est parti! Boum! Allez, moi je me casse! Allez, là! Wow.
Et 3 et 4. Allez, charge. Et hop. Et 5. Voilà. La violence du geste. Allez hop, passe par ici. Passe par là. D'être pas ici, je pense. Ouais. The Glyphon has grown this large. How much blood has been sacrificed? Oh putain, plus casse la gueule. Même de leur donner leur sang. Beaucoup. Eh, parce qu'ils se nourrissent du sang des humains. Pour pouvoir grandir. Allez mec! Plein de démonites rouges! Voilà, de la démonite en pagaille. J'ai mon surf! Youhou! Pas de téléphone? Ça sent roussi ça! Ça sent roussi! Et nous retrouvons Nero. Wow. Proto Angelo. Ah mais c'est comme des Nero Angelo. Ouais, sauf qu'ils ont une gueule un peu atypique. Scudo Angelo. Eh bah putain. Nice. Getting the band back together, huh? Alors ça y est, le groupe s'est reformé. I must destroy. I thought that was the plan all along. Semble que ça a toujours été le plan, oui, effectivement. Eh ben, on peut plus s'enfuir. Wow. Ok. En fait, c'est pas qu'on peut plus s'enfuir, c'est qu'honnêtement, on est en train de tracer tout seul comme des cons. Go. Go. Wow. Nightmare. Ça crève pas ces trucs. Putain la lâche, ils mettent du temps à crever. C'est lui qu'il faut bousiller. Ah c'est peut-être parce qu'ils ont les boucliers aussi. C'est pour ça qu'ils mettent peut-être du temps à crever. Allez. Raté. On va faire mieux que ça. Hop là. Appelle mon piaf, il vient me sonner. Oh. Ah. Allez, il meurt. Ah, putain. Allez, sort ses potes. Comme moyen de défense. Ah. Oh la bastonnade. Des glames de sévère la gueule. Ça, on comprend rien, t'sais. Ça peut être dans tous les sens. Tu sais, de temps en temps, on voit quelqu'un qui essaie de nous attaquer. Et c'est pas parce que je bouge pas, colère, que j'ai pas un œil sur le perso. Hein. Hop, il meurt. Tiens. Alors. Putain, oui, il fait comme les attaques de Nero Angelo en fait. Ah, lui, il a plus de défense. On lui a se mettre la gueule. Explosion, tu sais. Wow, il y a un ravin. Faut mieux de s'enfuir. Ah, il a réussi à sauter, attends. Tired already?
Déjà fatigué. I just remembered something. This town was attacked. Once before. Is that so? I was here. I can still see it. In fact, I was playing right here. That was the house. Ah. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the devil's sword Sparta. L'épée démoniaque de Sparta. Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Mm-hmm. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Mais il a un peu vieilli, un héros, hein, quand même. Allez, il a pas la même gueule qu'à l'époque, hein. Classement S. Voilà, ça c'est fait. Pour le style. Alors, hop, on va faire le menu principal. Et on va refaire la mission, du coup, avec Nero. Voilà, pour voir ce que ça se cache. Mission. Alors, donc, du coup, c'est mission numéro 7. Avec Nero. Et là, du coup, il va nous demander de choisir entre Nero et V. Et voilà, du coup, on va prendre Nero. Alors, hop. On va juste zapper cette petite scène qu'on a déjà vue. Celle-là, on la connaît, hein. Le jeune chasseur de démons Nero joue avec Nero. Oui, je suis tout à fait d'accord. Malgré que Nero a du mal à sortir les combos, hein, par rapport à V. Hein. Puis sur LB pour faire exploser tout ce qu'il y a aux alentours, bordel de merde. Max Act, débloqué, on s'en fout. Red Queen, qu'est-ce qu'il nous reste avec la Red Queen? Le Hard Way, et il est à 100%. Voilà, le Hard Way. Pour foncer au sol, maintenir Y et relâcher. Ok. Bon, on s'en fout. Tableau-peur. Will Snatch. Ah, ça c'est pour les attraper plus loin. Voilà. De toute façon, on n'a plus une thune. Voilà. C'est really good. Comment ça y est? Et allons casser des Rio, du coup, du monde des rillettes, hein, maintenant. Parce que ça s'appelle plus des Frost, hein, à l'époque ça s'appelait des Frost. Et au début, ça s'appelait des Blades, je crois. C'est, il me semble que c'est ça, c'était des Blades, hein, sur Devil May Cry 1. Un truc comme ça. Hop, des démonites rouges, on va récupérer. Ça, on va charger à fond. Ah, du coup, il y a le Blade, les rillettes. Ouh. Effectivement, en fait, une sorte de mis-scrolling. Ah, crise du désastre, Riot. Oh, t'en fais pas, mec. N'aie pas peur, on va venir te chercher. Petit chat, viens prendre ta souris, putain. Allez, vas-y, on commence déjà avec ça. Lunaise. Je me suis loupé. Derrière. Charge. Allez, d'une. Viens. Et où ce pute? Salope. Ah, c'est barré. Ah, c'est barré la faucheuse. Reviens. Reviens. Elle se fout de ma gueule. Elle joue avec moi. Quoi? Quoi? C'est bon, on l'a eu. T'apprends de moi, espèce de garce. Avec la participation de Virgile. Oh. Il revient. Ah, il passe à travers l'armure. Ah.
arrive, garce. Voilà. Deuxième. Ouais, c'est vraiment plus pour ça. Voilà. Bon, en fait, il faut une ouverture. Ouverture pour pouvoir lui exploser sa tranche. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, à moins qu'il faut peut-être monter un peu plus en haut pour voir s'il n'y a pas un truc de planqué. Bon. Des monites jaunes. Des monites dorées. Putain, je sais même pas combien on en a de ces trucs. On a au taquet. On a l'appel. C'est bon, l'épée elle est chargée à fond. Du coup, le prochain ennemi qui se pointe, il va tout prendre dans la gueule. Yeah. C'est toi. 1, 2, 3, go. Blam. Voilà. Passe-toi, toi. Oh. Oh, Frigo. On va y aller. Hop là, finish. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est par là d'où on vient, je crois. Oui. Demi-tour. Oui, c'est par là d'où on vient, parce qu'il y avait le bras, hop, qui pète les armures. Ah, voilà bien de ce truc, quoi. Tiens. On va charger à fond. Attends, on a l'épée à fond, on a ça à fond. Rigo. Viens là. Ouah. Ouah. Boum boum. Stylish. Et on fait du jonglage. Bien. Rien. Ouais, ça c'est bon, c'est mort. Allez. Triple S, putain. Wouah, il n'y a pas eu le triple S. Dommage. Je croyais que j'allais avoir le triple S à la fin. Du coup, je me suis bien foutu de sa gueule en mode provocation. J'allais dire complètement comme une merde. Dire moi sur Fortnite, mais bien sûr. C'est moi qui contrôle le perso, donc c'est forcément moi. Ah, ragtime. Donc ça, ça va y jouer avec le temps. Parce quoi? Effectivement. D'accord. Ok, tant qu'il est dans la zone, il est en mode blocage de temps. Voilà. Ok, donc le ragtime c'est vraiment pour faire une zone de temps. Voilà. Ça c'est bon. On va devoir une racine. Par-ci, par-là, tiens, il y a un autre méchant. Là, c'est good. Hop là, ça a de nouveau ouvert le passage. Donc, du coup, vers la petite zone là où on était tout à l'heure. Avec V, je pense. Ouah. Ça prend des points en plus. Ouais, en fait c'est quand tu charges à fond. Ça fonctionne bien. Ça charge le pistolet et donc du coup ça fait des gros impacts. Avec du Blue Rose.
Ok, donc nous on est en haut, donc V, du moins, nous on est en haut et V il va être en bas. Je pense. Voilà. Ah, un truc là. Wow! Putain, je l'ai poussé. Ah, faut vraiment l'abuser ce truc. Oh. Ah, je peux pas faire mieux quand même. L'ouverture, merde. Oh. Va péter mon bras. T'apprendras. Je me grand touche. Putain, c'est le bordel. Ouais, j'ai esquivé là. Ouais, c'est vraiment foutre des combos de fou. Right there. Stylish. Recharge. Ah putain, c'est ce truc. Ça c'est bon. Et pourtant il n'y a pas eu de ralenti à la fin, donc il doit rester un ennemi peut-être par-ci par-là. Ah, elle est là, 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 la racine. La fameuse racine à la con. On l'a retrouvée. Elle se cachait. Ouais, disons que le ragtime, il est un peu chaud à faire parce que faut vraiment le spammer quoi. Vraiment y aller bourriné sur la touche pour pouvoir le faire parce que sinon, t'es un peu dans la panade. Donc là, je suis descendu. Hop, on va prendre pas par là, pas ici. Ça marche mieux. Par là. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Oui. Hop. De la vie, on a full life. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est où? Hier. Ah ouais, c'est comme ça, toi. Voilà. Putain de pirate de merde. Ok, j'ai compris comment on utilisait le fameux, voilà, ce touche là. Wow. Ah ouais, tu te rebelles toi. Et c'est quoi l'autre? Wow. Ok, c'est sorte de ficelle ou de chaîne. Des chaînes nébulaires. Comme dans merde, Chevalier du Zodiac. Attaque chaîne nébulaire. Hop. Oh putain. Ah ouais, y'a pas moyen de trop esquiver ces trucs hein. Voilà, je me fais éclater. Vous avez morflé les mecs. Attendez, je me charge. On triche pas. Il m'a pété mon bras le bâtard. Tiens, je te coupe en deux. Ah, je ressemble à Dark Vador dans Star Wars. Bravo. Et la putain, en plus c'est une faucheuse.
exploser ces trucs. J'arrive les mecs, n'ayez pas peur. Wow. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Attends. Ah, caméra de merde. Oh. Viens toi. T'avais peut-être moyen de lui défoncer sa gueule facile. Voilà. Là, ce qu'il faudrait c'est le pont, parce qu'à l'époque c'était le pont qui nous permettait de lui briser sa garde et d'être peinard après. On récupère un peu de vie. Ah, par contre je n'ai plus de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Ouverture. C'est ça qu'il m'aurait fallu. Quoi? Viens! Par où les mecs? Putain de cocon de merde! Appelez-moi! Please! Putain de bordel! La creux merde! On se met en bout de Dorinos! Hein. Il esquive plus rien! Hop hop! Et on esquive! Ah non, j'esquive que dalle là! Ah, je me fais réellement chier dessus! Hein. Ah, c'est pas aiguë hein! AV quand même est un perso un peu complètement broken. Ah d'accord, c'est parce que toi t'es le chef. D'accord, je comprends bien pourquoi tu m'éclates. Et le chef toujours plus fort. Ouais, prends un coup de fil à linge. Là, je me fais royalement meurtrier. Ah bah il y a le téléphone. D'accord. On prend mieux. Hop là il y avait des herbes rouges. Ok. Allez monte les escaliers qu'on sorte de ce métro de merde. Voilà. Quelle superbe vue. Le décor part complètement en couille. Ouais. Non mais où? Ouais. Ouais. Plus d'armes rouges. C'est bon, on a tout piqué. On va pouvoir flinguer les Nelo Angelo. Oula, bien de chauve-souris. Avec super tenue. Ah. Attends, je vais charger la tête à fond. Si on sait jamais. Hein. Et là, après la scène cinématique, il n'y a plus rien. Bande d'enfoirés. Vas-y, il en restait. Très bien.
Yaaar. C'est lui qu'il faut péter. Ah. On charge tout à fond. Alors on va tous les prendre. Ça a rien fait, c'est pas grave. Ça a le coup d'essayer. Bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Goldorak. Ok, donc moi je m'occupe du gros et l'autre il s'occupe des petits. C'est excellent. Là je me fous de ta gueule. Alors on morfe. On se fait un smat. Oh. Qui esquive. Rien. Pousse-toi, mais bordel. Tu vois pas que tu m'emmerdes. Bon bah je vais leur péter la gueule. Me fais les petits. Le gros il est un peu trop costaud. Wow. Raté. Reviens. Et putain reviens. Et bon il est mort. Ah ah. On t'a détruit. Classement S à la fin. Donc du coup V va chercher l'épée de Sparda et nous on sait pas où on va. Là est la bonne question. Menu principal. Allez, on va lui envoyer un petit stylish. Donc voilà pour la partie numéro 6 de Devil May Cry 5. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook et Twitter. Hein. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch et la chaîne YouTube aussi hein, pour suivre l'actualité et pour pouvoir continuer d'avoir des notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis si vous voulez, vous pouvez laisser aussi un commentaire, comme ça au moins ça me permet de les lire et puis de voir à peu près bah, les notes positives, négatives, et voir ce qu'on peut améliorer et enlever, etc., etc., etc. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, un bon ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, quand vous regarderez la vidéo. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez des bisous, salut. Je vous envoie l'outro, c'est parti, yeah.